Bon, bienvenue à tous sur la chaîne Flapix TV, chaîne secondaire. J'espère que vous allez bien. Le chat Twitch, dites coucou YouTube. Voilà, histoire qu'on les accueille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Custom Zombie sur Flapix TV. Vous avez l'habitude, chaque mardi soir, 18h, chaque jeudi soir, 18h, c'est une nouvelle vidéo zombie qu'on tourne en live Twitch. Donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Flapix TV, comme ça vous ne loupez absolument aucune vidéo. Et en plus, Twitch, ils sont tellement gentils avec vous, regardez. Le nombre de coucou qu'ils vous disent, c'est insane. Cette fois-ci, c'est pas une custom map zombie qu'on va faire. On va aller sur une map classique, mais j'avais envie de tester pour la première fois de ma vie un mode menu en zombie. Histoire qu'on hack littéralement Black Ops 3 avec un mode menu, qu'on mette Black Ops 3 en PLS, qu'on fasse le bordel sur une map zombie. C'est ce qu'on va faire. On est en train de tester ça sur Kino Der Toten. Si la vidéo vous plaît, pensez au petit like. Vraiment, lâchez votre plus gros like sur FlapixTV pour cette découverte insane. C'est la première fois que j'utilise un mode menu. Je suis pas du tout quelqu'un qui suis habitué des mods, etc. Je me suis mis très tard au custom zombie. Et j'avais envie de découvrir ce soir. Mon zizi est tout dur. Kaba, s'il vous plaît, je veux pas me faire démonétiser. Cachez le chat, s'il vous plaît. Kaba part en couille, ça y est, on perd encore Kaba. Le petit like, voilà, comme dit Kiz, le petit like. Let's go. Mais donc, vous le voyez, nous sommes sur Kino Der Toten avec un mode menu. Alors, ok, ça c'est pour descendre. Lobby menu, host menu, anti... Oh là là, mais il y a tellement de trucs. Vraiment, là, c'est une découverte totale. Ah, il y a des fun modes. Il y a des fun modes. Ok. Donc là, à mon avis, si je cut... Non, ça le ferme, d'accord. Ok. Ah, toggle invisible. D'accord. Con player print identity. C'est quoi? C'est quoi ça? D'accord. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Non, on arrête. Non, comment je l'arrête? Comment je l'arrête ce mode? J'ai un truc qui défile en bas, je sais pas ce que c'est. Je suis tellement en train de découvrir des trucs que je ne comprends pas. Ok, perk menu. Donc là, à mon avis, on doit pouvoir give all perk. Voilà, bah voilà. C'était simple, hein. D'accord, donc là, c'est pour speciality. C'est quoi speciality quick revive? D'accord, c'est pour l'acheter directement, en fait. D'accord. Donc ça. Ça, d'accord. C'était sympa. Tu peux pas, c'est un print. D'accord, c'est un print. Bah, je sais pas ce que c'est un print, en fait. Les atouts mods. Il y a des atouts modés? Je sais pas, je vais déjà essayer de... Et comment est-ce que je passe en gun mode pour histoire de pouvoir... Ah! Attends, du coup, perk menu. Mince, non. Ah oui, c'est comme ça, faut viser et faire ça. Perk menu, ok. Keep all perk on death. Donc ça veut dire que je pense que quand je meurs, je garde les atouts, je pense. C'est quoi ça? Primary additional weapons. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord, mais c'est très bien, d'accord. D'accord. Bon, on va retourner en arrière. Client made modification. Toggle gun mode. Ok, donc là vraiment je suis en gun mode. Attends. Ok, on va jeter tout ça. C'est ça, je suis en gun mode. On a unlimited ammo. Ah, bah j'ai enlevé le gun mode. Je crois que j'ai enlevé le gun mode. Voilà, gun mode on. Parfait. Unlimited ammo. Oh, unlimited ammo, let's go. Toggle faire... Non, non. Mais trop bien. Eh les gars, on va jouer à la troisième personne. On va jouer à la troisième personne. Aquatic screen. Ah. Mais t'as l'impression qu'on est sous. On a l'impression qu'on est sous. Chaque soir on est en live Twitch. Oui, comme dit Vegeta, chaque soir on est en live Twitch. Les gens de YouTube, pensez à venir nous voir. Toggle zombies ignore you. Donc ça, bah, à mon avis, c'est que les zombies, ils en ont rien à foutre de moi. Totalement. Là, ils en ont... Print Zombies Count. Ah, intéressant ça. QN Zombies Count 4, c'est affiché en bas. Bon, c'est caché un petit peu par l'overlay, je suis désolé. Print Origins, c'est quoi ça? D'accord, c'est mon origine. D'accord, bah, j'ai pas compris. Score menu, c'est quoi? Allez, mais let's go! Voilà, allez, là on est bien. C'est n'importe quoi. Ok, ok. Donc là, c'était les client main modifications. On a fait pas mal de modifications déjà. On va descendre un petit peu. Send power ups. Ok. Ça, c'est pour nous filer. On s'enfile, c'est pour nous filer des trucs. Message menu. Message type. Change to left corner. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Donc on va pas rester là-dessus parce que ça me. Pour ça je découvre moi-même. Après il y a Ago dans le chat qui m'aidera, je pense. C'est juste pour les infos dans la console en gros. Ok, le print c'est juste les infos de la console. Merci Ago de m'aider. Ah, Ago Mods qui est là, un super modérateur, il est là. Ton nouveau record. Bah, attends, je vais voir si je peux même monter. Attends, pour faire des. En parlant de record là, tu me fais penser à un truc.
Est-ce que je peux mettre, genre monter les... Attends, upgraded weapon. Oh là là. Attends, Regan Mark 2? Ben oui, on a un MK2. Bon, par contre, attends, j'ai repassé vite fait en... En première personne pour les armes. Voilà. On repasse en première personne. Ok, là, genre, on a un MK2 amélioré. C'est cool. Ça fait plaisir. Oui. Perk menu, non, c'est pas là-dedans. C'était les weapons, voilà. Ouais, là-dedans. Launcher. Pistole, LMG, AR. Raygun, 500 balles. Ah, c'est dommage par contre. Ok, M900 amélioré. Voilà, M900 amélioré, très bien. Il y a les singes à 100 balles améliorés. Peut-être que... C'est là-dedans. Non, ah, c'est dommage, il n'y a pas genre les bâtons élémentaires, etc. Il n'y a pas, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Bon. Ah, attends, Weapon Mode Menu, c'est quoi ça? Ok, je peux drop mon arme. D'accord, j'ai drop mon arme. D'accord. Attends, je peux la ramasser? Je peux la ramasser au sol. Ce gueule, hide. Mais non, non, rends-moi mon arme, s'il te plaît. Hide crosshair. Oh, ça, c'est super pour les miniatures. Ou les cinématiques d'enlever le crosshair. Ça m'intéresse. Shoot power up. Je sais pas ce que c'est, je vais laisser en off. Putain, on se croirait dans CS. C'est CS, on peut passer l'arme à gauche. C'est très Tu sais bizarre. qu'un beau mal, tu sais Mais c'est qu'un beau sympa. boule, C'est très mec. sympa. Prends mon Merci, stylo, c'est mon insane, stylo, tu vieillis jamais, wesh. Mais si, un petit peu quand même. Merci beaucoup pour les 300 bits. Je te remercie, beau mal. Packer punch option. Ok. Unpack. Ok. Bon, ça c'était les modes d'armes. Bullets menu. Bullets. Attends. Merde. En gros, là, les weapon pellets, ça me permet de faire des mods. Enfin, en gros, de mettre des balles sur mon arme. En gros, mon M911, il tire des balles de pompe. C'est un délire. Effect bullet. Mes balles sont en train de faire des effets. Genre, tu sais, là, la boîte, quand elle bouge. Power light. Ah, j'ai pas compris ce que c'est ça par contre. Foliage. Ouais, je comprends pas trop. Là, c'est pas. Ah merde! Effect bullet. Je vais retourner sur d'autres. Ah, c'est trop bien. Mais gros, on est en train de mettre. Regarde ça! On met la map. On est en train de saccager Kino Der Toten, les gars. On est en train de saccager Kino. Merci Nikolai pour le follow. Gros, on est en train de. Allez, les gars, ça y est, on hack Kino Der Toten sur Black Ops 3. Ça y est, on va faire crash le jeu là. Gros, c'est une boîte de nuit. Vas-y, je vais laisser ça, c'est trop drôle. Téléporte menu, ok. Save position, ok, c'est pour. Ok, en gros, merde. Je sauvegarde la position ici, si j'ai bien compris. Ok, je vais un peu plus loin. J'ai téléporté les zombies là-bas. C'est trop bien. Ok, et là, bam, je peux me téléporter à la position que j'avais sauvegardée. Téléporte ou crosshair position? Attends, comment ça? La vache, attends. Excellent. Ah non, là je peux pas par contre. Non, mais si je suis con, j'ai juste fait le mauvais truc. Non. Ok. Putain, c'est ce... Waouh, on a réussi à se téléporter. Waouh. T'es un gamin un peu. Là je suis totalement un enfant. Je vous dis, j'ai jamais découvert un mode menu de ma vie. C'est la première fois que je suis sur un mode menu. Je suis un enfant. Oh la vache. On se téléporte dans le ciel. Et là, on se téléporte sur le sol. Donc, juste en dessous de là où on était.
Ok, bon, ça c'était les téléportations. Aimbot menu? Quoi? C'est abusé! Le zombie il est là-bas. Attendez, attendez. Merde, je suis coincé ici. Je vais me téléporter Voilà, là. En gros, regardez, le zombie est derrière moi. Bah! What? What? C'est trop bien. Je jure, c'est trop bien les modes menus. Mais regardez, genre, on est en train de foutre Kino en PLS, gros. Oh là là. Premier menu, c'est toujours. Ouais, c'est toujours un effet de fou. Parce que t'as tellement de possibilités de trucs, t'as pas de limite. Donc, ouais, vraiment, vision menu. Mais non. White mode, défaut. Ok, on revient en mode défaut. Ok, donc ça, c'est les visions de menu. Bon, l'aimbot, je pense on a vu. SFX menu. Bon, ça s'entend très très peu. Mais au fond, on a les jingles qui sont lancés. Ça s'entend très très peu, mais en gros, ça me permet de mettre les musiques de fond, des atouts, de l'action que ça fait quand t'as un truc. Ouais, c'est ça, SFX, c'est les audios. Donc tu vois, je peux jouer à un son de zombie, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Graphics, menu, effect. Ah, d'accord. Fog, c'est pour la fumée. Ok, donc ça c'est l'effet un petit peu d'eau comme on avait vu tout à l'heure. Comme quand on est dans l'eau. Render distance, ok. Toggle douf. J'ai l'impression que c'est quand je brûle un peu, je sais. Non, je. Si, ouais, j'ai l'effet qui tremble un petit peu. Ça c'est quoi, douf bias? J'ai pas compris. J'ai pas trop compris ce que je suis en train d'activer là. Ok. Crosshair Enemy Effect. Ouais. Wouah! What the fuck? Oh, j'ai activé un truc là, c'est quoi les lignes? Oh, c'est les lignes de l'architecture. Ouah, je sais pas, je sais pas. On va virer ça, on va virer ça. Entity menu. Comment je le pose? Comment je le pose? Je veux le poser par terre. Comment on le pose? Ah, là. Place model. C'est les détails des objets dans la map. Ok, merci Vegeta. Les lines du kiff perso. Ah, j'étais pas prêt. Spawn model. Ok, on a ça. On a des murs. What? Ah merde, non, je vais faire spawn modèle. Oui, voilà. Oh, wow. On est en train de détruire Kino, c'est trop bien. Je suis un enfant à Noël. Mais non, attends, là, tous trois armes. Ok, vas-y, je vois un petit peu tout ce qu'il y a. Masto. Attends, je vais aller dans le sens inverse, je pense. Comme ça va éviter de tirer des balles de partout parce que je suis en train d'exploser les yeux. Ok, là c'est le truc de porte, les portes. Encore des portes, toujours des portes, encore des portes différentes. Non, c'est la même porte à chaque fois en fait. Ok, attends, on va refaire spawn modèle. Oh, j'ai fait bugger mon modèle, je suis en train de me trimballer un truc là tout le temps. Tu devrais travailler chez. Tu devrais travailler pour construire des maps, gros, je te pose un bloc comme ça. Le Nel il va arriver vers moi en mode. Bon, attends. Voilà, on va placer le modèle là. On va refaire spawn des modèles. Y a 1000 portes! Là, c'est le truc de courant. Là, c'est les blocs bizarres. Le gros bloc encore. C'est quoi là le modèle? J'ai un modèle? Ah oui, quick revive. Ok, des rideaux. What? Vas-y les gars, je refais la déco de Kino Der Toten. Hop là!
Voilà. On a posé un vieux lustre en plein milieu. Ok, là, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est des petites lampes. Petite horloge. Là, c'est du... What? Le rideau! Mais let's go! Attends, hop! Voilà! Ah, non, mince! Mince, en petit menu. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais attends! On a posé, voilà, un beau rideau. Eh, les gars, franchement, la Kinodertoton, elle est belle, hein? Elle est belle, la map! Bon, allez, on va voir un petit peu de map, on va explorer, aller un peu plus loin, on va tout ouvrir déjà. Est-ce qu'il y a un truc, attends, dans le mode menu? Attends, round menu. Ok. 7 round 50, donc là, si je passe. Déjà. C'est cheaté. Non, je suis pas passé à la manche 50. Open all door. Il y a un truc open all door? Mince. Pense. Merde. Ça a pas marché en. Graphics menu. C'était là où on était. Non, c'était pas là où on était. Ah, on était dans Entity. Lobby menu? Allez, on met des mystery box partout. Super speed, ok, super gravity. Ok, il y a de la gravité. Ok, on est sur Moon, les gars, en fait. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, vous êtes au courant comme ça. Ah, open all door et tous les débris. Marche pas ouf, hein. Ça marche pas ouf, hein, le open all door. Toggle time scale. Ok. Ok. C'est tout au ralenti. Comment je désactive ça, s'il vous plaît? Du coup, c'est le super speed, mais pas trop. Comment est-ce que je l'enlève là, tous ces trucs de gravité? À go? Remets time scale. Ah! Ah, ok. Waouh. T'es sûr que c'était ça? Parce que là, je suis en train de partir en couille, clairement. Là, je... Voilà. Boum! Oh bah. Je casse Kinodertoten. Eh les gars, on retourne voir la first room à quel point elle était belle. Là, t'es en fast. Ouais, je sais que je suis en fast. Ça... J'ai détruit la first room de Kino. J'ai détruit la putain de first room de Kinodertoten. Du coup. Alors, lobby menu, oui. Coming soon. Ok, c'est pas là encore. Du coup, t'as mis le gravity. Tout sang, à mon avis, c'est le normal. Non, pas du tout. Ah, tout zéro. Là, celui-là, il est à zéro déjà. Parfait. Il faudrait que je le remette à zéro. Non, bah, ça doit être à 100. Je sais pas. Je ne comprends pas. Super physically gravity off. Pas du tout off. Je suis en train de voler de partout, cousin. Je reste comme ça, mec. Salut à tous. On se retrouve pour un tout nouveau glitch. J'ai détruit la map. J'ai détruit la map. Customise menu. Thème color. Oh! Oh, j'aime bien cette couleur. Vas-y, on laisse ça. Text color. Ah, on va mettre en bleu. Non. Bleu ciel. Ouais, c'est beau. Putain, je suis en train de customiser carrément mon truc. Background alpha.
Ah, c'est la... Ouais, non. Un an. Deux. On customise... Les gars, c'est Pimp My Mode Menu. Votre nouvelle émission sur Twitch. Bon, allez, on s'en fiche, ça. Client. Qu'est-ce que client? Flapix, option. God Mode. Ok. Ok, ouais, c'est ça, c'est qu'on est en cop. Ça vous tente qu'on fasse un mode menu en cop ou pas, les gars? Si vous êtes sur YouTube, hein, je vous affiche un sondage en haut à droite de votre écran. Votez si vous êtes sur la vidéo YouTube. Est-ce qu'un mode menu en public ou quoi? On s'en fout du ban, on s'en bat les couilles, clairement. Mais ça vous intéressera à plusieurs, un mode menu? Attends, là, donc c'était tous les trucs. Allez. On place une porte ici. Voilà, j'avais envie de mettre une porte. Par contre, du coup, j'arrive pas à aller. Comment est-ce qu'on va dans les rooms menus? Ils me disent que la fin de la manche serait à la manche 53, mais pas du tout. Depuis tout à l'heure, ça marche pas. Ça marche pas, je comprends pas. Oh là là, mais on. On a vraiment hacké. Ça me fume en vrai, parce que regarde, tu regardes, il n'y a plus aucun sens sur la map. Il n'y a plus... Et en tirant Thunder, balle améliorée. On s'en bat les couilles. Frère. Sur le tableau de score de quoi, tableau de score? Ils sont où les derniers zombies? On va aller les chercher par la peau du cul, de toute façon on va plus vite qu'eux. Regarde ça, allez hop! La map on la parcourt en 3 secondes. J'ai entendu derrière. Mais t'as vu ça? Ils me disent qu'à la fin de la manche je serais téléporté à la manche 53. Mais je suis pas du tout à la manche 53, le mode menu, qu'est-ce qu'il me fait? Moi, ce que je voulais, c'est aller en haute manche très rapidement. End the current rune to jump to rune 50. Mais frérot, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Putain, donc le... Regarde ça, le aimbot. Le aimbot, c'est vraiment cheaté. Regarde ça, boum. Regarde ça, j'ai... C'est nimp. Vas-y, on va attendre que ça spawn, les zombies un peu de partout. Oh, je comprends déjà plus rien à la map là. Ah. Je crois qu'on s'est fait van. Si je dis pas de bêtises. Nos clips, pack a punch. Pour leur dire, ce serait insane. Ah non? Non, ah, j'ai juste fait un G-spawn. J'ai juste fait un G-spawn. J'ai G-spawn. J'ai G-spawn la map tellement il y avait de bordel et d'effets. Voilà, j'ai hacké Black Ops 3. Je l'ai cassé. C'est la première fois que j'ai un G-spawn sur Black Ops 3. Autant sur Black Ops 2 avec le staff de feu sur Origin, ça arrivait souvent. En coop, et tu trolls le belge. En vrai, Xerox, j'aimerais trop. Ça vous tente ou pas? Les gens qui était sur la vidéo YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était ma découverte du mode menu. On refera des vidéos mode menu. Ne vous inquiétez pas. Si cette découverte vous a plu, pensez au petit like sur FlappyXCV. Pensez à vous abonner pour des nouvelles vidéos tous les mardis 18h, jeudi 18h. C'est des vidéos zombies. Donc abonnez-vous. Mais du coup, et dites-moi dans les commentaires de la vidéo sur FlappyXCV si ça vous intéresserait qu'on refasse des modes menu pour troller des gens, troller des potes, troller etc, troller en public, n'importe, dites-le moi dans les commentaires. Rejoignez-nous sur Twitch, c'est les débuts de live, c'est 20h ou 21h. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine bande de boumales. Voilà.